Non mais c'est vrai. La télévision, ça ramollit le cerveau. Surtout depuis que la télé-réalité est rentrée dans nos foyers. À ce moment-là, la masturbation intellectuelle, ça va 2 secondes, tu vois. Les chaînes de télé ont leur émission sur le rookie. Ma chérie, qu'est-ce que c'est ces cheveux? C'est pas possible, ma chérie, mon Dieu, c'est... Ta femme, elle est quand même plus bandante dans une soirée comme votre gratte paillasson, là, une fête. Il faut que tu comprennes, Anne, que l'homme pense avec sa teub. Ouais, Martine, si vous êtes arrivé, vous avez mis la teub dans le four à micro-ondes. Oh, les gueux. Bien Dieu, il y a une donzelle qui vient me demander la friperie, la pointe sous, mais veut se mettre en beauté. Nous, les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil pour dépenser le fric. Une fille, si elle a rien acheté au bout de 3 jours, tu la fous sous perche. Hein. Pas possible, même une petite merdouille, mais il faut qu'elle achète quelque chose, tu sais. Putain, mais t'es fou, Eric. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas une bagnole, c'est un bus. Mais tu crois qu'on a les moyens de s'offrir un truc pareil? T'es malade. Marie et Joseph sont un couple modèle. Ensemble, ils ont eu le petit Jésus. Tous les matins, on va travailler, le dépose à la crèche. Son père, Joseph, ce roi qui lui avait offert pour la naissance du petit, un lit en pain d'une heure à 195 euros. C'est une bonne soirée, jusqu'à ce qu'un collègue commence à me péter les nouilles. Arrêtez de nous parler comme ça, on n'est pas des Mongoliens, putain. Du mec, le téléphone sonne. Je saute dans ma Bugatti. C'est une affaire pour Bébel, votre serviteur. Allô? Oui, c'est le commandant Stallone. Ah! Alors là, écoutez-moi bien. Le premier repas familial, cool, tranquille, sans télé. Dans ce nouveau numéro, me faites entrer l'accusé. Avec nous chez les assassins, il y a tout plein de cadavres avec du sang partout. Bonsoir, bande de soifés sanguinés. Toutes les femmes ont l'arme fatale. La bombe d'insecticide. J'entendais des... Tu l'as vidé la moitié de la bombe sur la tronche. Parce qu'en général, vous les femmes, vous n'y pouvez rien. Hein. Vous avez un deuxième programme dans le cerveau. C'est l'œil qui fait loupe quand vous flippez. Merci, à bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.